Alléluia, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et nous voulons commencer notre enseignement, mais avant tout, nous devons prier et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es le commencement et tu es la fin. Seigneur Jésus, je prie, Papa, que en ce moment, tu sois présent avec moi. Seigneur Jésus, je prie, Papa, que l'intelligence de la chair, la connaissance de la chair, Seigneur Jésus, soit effacée. Et que toi, tu prennes le contrôle de mon être. Je prie, Papa, que à compter de ce moment, Seigneur Jésus, que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Seigneur, que ta sagesse révèle ta pensée, Papa, lors de cet enseignement. Seigneur Jésus, je prie que les vies, Seigneur Jésus, soient édifiées. Je prie, Papa, que ce message qui veut sortir, Seigneur Jésus, oh, ait de l'impact dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie, Papa, que ta présence se manifeste lors de cet enseignement au nom de Jésus. Que les vies soient libérées, que les vies soient délivrées, que les vies soient restaurées, Seigneur Jésus, par cet enseignement au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie que maintenant même, tout est pris, qui va, Seigneur Jésus, semer en eux, Papa, l'ignorance, semer en eux la négligence, semer en eux, Seigneur Jésus, oh, la négligence, afin de les toujours maintenir dans la famine, dans le manque, Seigneur Jésus, je prie que ta présence les menace au nom de Jésus, et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie également que, à partir de cet enseignement, Seigneur, que la vie soit restaurée. Seigneur, que la vapeur, Seigneur Jésus, oh, maintenant commence par se produire dans la vie. Et que la pluie soit provoquée pour que les temps de la vie, pour que les circonstances de la vie soient changées dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as exaucés. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le Seigneur m'a accordé la grâce et de venir devant vous pour vous présenter cet enseignement vraiment très important que nous avons tous besoin, que le corps de Christ a besoin. Alléluia. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur et a développé est intitulé « La puissance de la vapeur qui provoque la pluie, qui change les temps et les circonstances. » Alléluia. La puissance de la vapeur qui provoque la pluie, qui change les temps et les circonstances. Amen. Et nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 4 à 6. La Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Gloire à Jésus. Nous voyons que il y a deux raisons qui fait que il n'avait pas ni arbuste ni d'herbe sur la terre à la création. Gloire à Jésus. Et nous pouvons comprendre par là que la création de ce monde, ou bien nous pouvons imaginer que le début de la création de ce monde a commencé par une famine. Amen. Parce que avant que qu'il y ait la nourriture, il faut nécessairement que la pluie tombe. Avant qu'il y ait des fruits, il faut que la pluie tombe réellement pour que les herbes poussent, les plantes poussent, pour donner des fruits qui pourront nous servir à la nourriture. Gloire à Jésus. Donc, il y a deux raisons qui font que il n'y avait pas ni arbuste ni d'herbe
Et la première raison est que Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie. La deuxième raison est que Dieu n'avait pas encore mis un homme sur la terre afin de la cultiver. Gloire à Jésus. Maintenant, quand il n'avait pas plu, disons qu'il y a manque certainement des choses qui pourront nous aider, nous les hommes, à bien vivre sur la terre. Mais nous voyons que ces choses n'existent pas. Donc, le verset 5 va nous dire quelque chose. Le verset 6 saute pour moi. Le verset 6 dit, mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Gloire à Jésus. Donc, la Bible va dire, sur la terre, quand il n'y avait pas ni herbe, ni arbus, il y a maintenant une vapeur. Et cette vapeur arrose la terre. Cette vapeur s'élève de la terre et produit de l'eau, ou soit produit des gouttelettes d'eau pour arroser maintenant la terre. Donc nous voyons que si ces gouttelettes d'eau que la vapeur produit existe, alors la terre sera arrosée. Par conséquent, les herbes pourront pousser, les habits pourront pousser de la terre. Et dès ce moment, nous pouvons parler maintenant de la nourriture. Nous pouvons parler maintenant des fruits qui vont exister suite à ces vapeurs-là. Gloire à Jésus. Donc, je vais utiliser quelques langages scientifiques pour donner comment la vapeur pourra produire les gouttelettes d'eau ou soit la pluie pour pouvoir arroser la terre. Gloire à Jésus. D'abord, nous allons lire le livre de Job, Job chapitre 36, le verset 11. Job chapitre 37, autant pour moi, le verset 11 qui dit, « Il charge de vapeur les nuages et il les disperse étincelants. » Gloire à Jésus. Donc la Bible nous dit, « Il charge de vapeur les nuages. » Qui charge les vapeurs? Qui charge de vapeur les nuages? Ici, il faut que, comme je le disais au début, il faut que Dieu fasse tomber la pluie. Et il faut que quelqu'un soit sur la terre afin de pouvoir cultiver la terre. Donc, quand on dit, il charge de vapeur les nuages, nous pouvons dire que Dieu charge de vapeur les nuages. Parce qu'à la création, personne n'existait sur la terre, mais il y a une vapeur qui s'élevait sur la terre et cette vapeur arrosait la terre pour que les herbes poussent, pour que les arbustes existent. Gloire à Jésus. Donc ici, quand on dit « il charge les nuages des vapeurs », comme je le disais tantôt, je voulais utiliser quelques langages scientifiques pour nous faire voir comment la vapeur pourra créer l'existence de la pluie ou bien pourra amener la pluie. Amen. Il faut que la vapeur qui sort de la terre monte. Et quand la vapeur qui sort de la terre monte, ça va charger les nuages. Et quand cela va charger les nuages maintenant vont faire pleuvoir la pluie. Parce que quoi? La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 36, le verset 27. La Bible nous dit ceci. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Il la répand sur la foule des hommes. Gloire à Jésus. Donc nous voyons que quand la vapeur autant pour moi monte et ça charge les nuages maintenant forment la pluie. Et quand les nuages forment la pluie, ces nuages laissent maintenant la pluie tomber. Et quand la pluie tombe maintenant, c'est ça qui arrose la surface de la terre. Et quand la pluie arrose la surface de la terre produit maintenant les herbes, les arbustes,
les plantes, beaucoup de choses vont pousser. Et ces choses vont donner maintenant les fruits. Et enfin, il y aura la nourriture. Gloire à Jésus. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de cacher dans la vapeur et aussi de la pluie? Nous voyons que tout à l'heure, je parlais de la vapeur. J'ai parlé de nuages. J'ai parlé également de la pluie. Et aussi, quand la pluie tombe, il y a nécessairement les arbustes, les herbes qui vont pousser. Et enfin, il y aura la nourriture. Gloire à Jésus. Nous allons voir. Je vais aller un peu en arrière. Nous voyons que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y avait personne sur la terre. Même Adam aussi n'existait pas dans le temps. Mais la Bible va nous dire que quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, maintenant, il y a une vapeur qui sortait de la terre et cette vapeur charge les nuages. Donc nous voyons que cette vapeur, en réalité, c'est Dieu qui l'a fait exister. Amen. Et quand Dieu a fait exister cette vapeur maintenant travaille à la place de la pluie, afin que la terre produise les herbes, en tout cas, afin que la terre produise des fruits, soit produire, faire sortir, faire germer autant pour moi, des herbes et autres. Maintenant, c'est après cela que Dieu va former l'homme, va former Adam et maintenant va lui donner maintenant l'autorisation de rester dans le jardin d'Éden afin de pouvoir cultiver le jardin d'Éden. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir nous faire connaître? Nous voyons que quand Adam est venu, Adam maintenant a commencé par entretenir le jardin d'Éden. Et quand il a entretenu le jardin d'Éden, et là maintenant, la vapeur qui existait avant son arrivée va continuer à faire son rôle. C'est vrai, dans les versets suivants, la Bible nous a dit que Dieu a fait maintenant une fleuve. Et ces fleuves qui arrosaient le jardin. Mais avant que ces fleuves n'existent, il y a une vapeur. Cette vapeur représente quoi? En réalité, cette vapeur représente la prière. L'onction de la prière. Cette vapeur représente l'onction du Saint-Esprit qui existait, qui mouvait à la création. Gloire à Jésus. Et cette vapeur est en connexion avec l'Éternel. Parce que nous savons que c'est l'Éternel qui doit donner la pluie. Donc cette vapeur qui représente la prière est en connexion avec l'Éternel. Donc quand cette vapeur charge les nuages, en réalité, Dieu est alerté. Si les prières montent de la terre vers le ciel, le Seigneur est alerté. Et quand le Seigneur est alerté, il est obligé de lâcher maintenant les bénédictions. Gloire à Jésus. Plus tard, je vais expliquer ce que je suis en train de cacher dans la pluie. Amen. Maintenant, nous voyons que Adam lui-même est né dans la prière. Amen. Adam lui-même est né dans la prière. Donc, quand Adam est né dans la prière, l'esprit de la prière est là. Donc Adam a habité avec l'esprit de la prière, l'onction de la prière. Et dès lors, Adam aussi a avoir l'habitude de parler à Dieu. Et nous voyons, selon les Écritures, Dieu venait pour causer avec Adam. Dieu venait pour causer avec Adam. Parce que cette vapeur existe. Et cette vapeur qui existait attirait Dieu parce que cette vapeur montait. Gloire à Jésus. Donc nous disons comme ça que le monde entier ou bien le ciel et la terre est créé par la puissance de la prière, est créé par la puissance de la parole. Or, quand nous allons parler de la prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est l'expression de l'homme à Dieu, c'est-à-dire la communication avec Dieu, dialoguer avec Dieu, parler avec Dieu. Donc nous voyons que à la création, c'est Dieu qui a parlé. Parce que quand nous lisons le livre d'Ésaïe 48, le verset 13, le Seigneur a dit que Dieu a fondé la terre
avec sa main droite et il a fixé les cieux avec sa droite. Gloire à Jésus. Il dit, je les appelle et aussitôt, ils apparaissent. Il appelle le ciel et le ciel est apparu. Il a appelé également la terre. La terre aussi a fait son existence. Donc nous voyons que c'est dans la communication que le ciel et la terre ont existé. Gloire à Jésus. Donc, comme je le disais, nous voyons, Abi dit, cette vapeur, c'est lui qui provoque la pluie. Amen. Cette vapeur n'est pas la pluie. Non, la vapeur n'est pas la pluie. Mais c'est la vapeur qui provoque la pluie. Si la vapeur n'existe pas, alors nous allons voir que la pluie aussi ne peut pas tomber. Et si la pluie ne tombe pas, il n'y en a pas les fruits. Et s'il n'y a pas les fruits, il n'y en aura pas également la nourriture. Et quand il n'y a pas la nourriture, nous allons parler de la famine. Chers bien-aimés, je passe par ici pour dire que, à cause du manque de la prière, certains bien-aimés, le corps de Christ, ta vie est dans la sécheresse. Ta vie est dans le manque. Ta vie est dans la famine. Gloire à Jésus. Et il faut que cette vérité tombe dans tes oreilles. Nous allons voir que quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé. Dieu avait ordonné à Adam de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pendant ce moment, la vapeur montait. Et cette vapeur était une connexion entre Dieu et Adam. Mais le diable a vu que cette connexion qui existe entre Adam et Ève et Dieu autant pour moi, lui, il ne voulait pas. Il était en colère. Maintenant, lui va venir maintenant pour détruire cette connexion. Pour annuler l'efficacité de cette vapeur. Et quand il est arrivé, c'est là maintenant, il a amené Adam à tomber dans le péché. Et quand il est tombé dans le péché, Dieu va dire, alors tu sors. Et il est sorti. Il est sorti de la connexion de la vapeur. Il est sorti maintenant entre les mains de Dieu. Et quand il est sorti, il a quitté sous l'onction de la vapeur. Lui qui pouvait provoquer la pluie, parce que l'homme est fait avec de la poussière. Donc, c'est dans la poussière que la chaleur doit sortir. C'est dans la poussière que la chaleur va sortir. Et quand la chaleur va sortir, ça va provoquer la vapeur. Et cette vapeur va monter pour charger les nuages. Gloire à Jésus, mon bien-aimé. J'aimerais te dire que ton corps doit produire la chaleur. J'aimerais te dire que tu dois produire la chaleur pour pouvoir charger les nuages. Pour pouvoir produire des vapeurs pour charger maintenant les nuages. Et quand tu vas charger les nuages, tu vas provoquer ainsi la pluie. Et cette pluie qui va tomber, mon bien-aimé, sur toi, sur ta vie, dans les domaines de ta vie, ça doit produire. Ça doit faire sortir les abus. Ça doit faire sortir les herbes. Et quand les herbes, les plantes vont sortir, ça doit donner son fruit. Et quand ça va donner son fruit, mon bien-aimé, tu ne seras plus dans la famine. Beaucoup sont dans la sainte doctrine que nous disons, nous crions tous les jours, certainement que Dieu nous a enseigné, les bien-aimés. Beaucoup sont dans la sainteté, dans la sanctification, mais il y a de manque dans des domaines de leur vie. Il y a de la famine qui opère dans des domaines de leur vie. Mon bien-aimé, qu'est-ce qui provoque cela? Quand nous allons venir à Dieu, quand nous allons retourner à Jésus, ce n'est pas que nous allons continuer dans la pauvreté. Ce n'est pas que nous allons continuer dans le manque, dans la famine. Il y a des choses que nous avons ignorées. Et les choses que nous avons ignorées, ça fait que manque de connaissance nous produit, nous laisse toujours dans la famine, dans certains domaines de nos vies. Mon bien-aimé, ces domaines de ta vie, je ne sais pas. Peut-être ça peut être dans ton mariage, peut-être ça peut être dans tes activités, peut-être ça peut être dans ton commerce, peut-être ça peut être... Tu as des domaines sur lesquels toi-même, quand tu te regardes,
quand tu réfléchis, à un moment donné, tu vois que ça, il y a de la sécheresse. Ici, il y a du manque. Ici, la pluie ne tombe pas là. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire que ton corps est fait avec de la poussière. Ton corps doit produire de la chaleur pour provoquer la vapeur afin que les nuages soient chargés. Amen. Maintenant, nous voyons, nous allons continuer, nous allons évoluer dans l'enseignement. Nous voyons que la pluie aussi représente la parole. La pluie aussi représente l'onction du Saint-Esprit. La pluie représente les ossements, amen, les ossements de Dieu sur nos vies. Donc j'ai dit que la pluie représente également l'onction du Saint-Esprit. La pluie représente également les bénédictions. Deux, la pluie représente la parole de Dieu. Trois, la pluie représente également les ossements qui viennent de Dieu. Ça fait quatre. Et bien aimé, il va vous ramener un peu sur la terre pour vous faire savoir quelque chose. Ce que j'aimerais dire, vous allez voir, bon, qu'il y a des personnes sur la terre, des gens sur la terre que nous connaissons comme ça, et ils provoquent la pluie, alors qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Nous connaissons des satanistes, nous connaissons des personnes qui n'ont jamais confessé le nom du Seigneur Jésus, et ne sont pas de Dieu, mais qui provoquent la pluie, et la pluie tombe physiquement comme ça. Et je sais que vous ne pouvez pas nier. Je sais que vous en connaissez aussi beaucoup de personnes qui font de telles choses. Maintenant, si cette pluie tombe là, ça n'arrose pas la terre. Oui, ça arrose la terre. Et quand ça arrose la terre, c'est pour quel objectif? C'est pour que qu'il y ait de la nourriture. Donc, si les paniers arrivent à provoquer la pluie physiquement comme ça, et nous voyons, et nous parlons, bon, nous attestons bien, nous pouvons le dire comme ça, parce que nous l'avons vu, la démonstration de leur puissance mystique. Mais Dieu a permis pour que la pluie tombe. Peuple de Dieu, normalement, ce n'est pas eux qui devaient provoquer la pluie. Parce que Dieu nous a donné désormais le pouvoir. Mais parce qu'il y a l'ignorance qui agit, le manque de la connaissance qui fait que nous sommes encore dans le manque. Mais j'aimerais nous faire voir des personnes qui ont servi le Seigneur et eux aussi, ils ont vraiment chargé les nuages avec la vapeur pour provoquer la pluie. Amen. Et nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 5. Je lis le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Ah bon? Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La Bible dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Quand les Écritures attestent ces choses, c'est pour nous dire que nous aussi, si Élie, lui, il est un homme de la même nature que nous, qui confessons la même foi que lui, arrive à prier pour que la pluie ne tombe pas. Nous aussi, nous avons la possibilité de prier pour que la pluie ne tombe pas. Amen. Donc, nous voyons que Élie, d'abord, quand nous avons parti dans le livre de Rois, un roi, chapitre 18, ou bien un roi, chapitre 17,
à partir du verset 1er, il y a une famine qui existait en Égypte. Et les enfants d'Israël souffraient. Il y a le roi Akab aussi qui était au pouvoir dans le temps. Et il y a vraiment une grande famine. Pendant que le roi Akab priait pour que la pluie tombe, il y a aussi Abdias aussi qui priait. Il est un homme de Dieu, pieux. Il est quelqu'un qui craint réellement Dieu. Et lui aussi veut que la pluie tombe. Donc, nous disons que le peuple entier aussi veut que la pluie tombe. Pendant ce moment, Élie priait pour que la pluie ne tombe pas. Il y a la famine. Donc, je vous ai dit, s'il y a la famine, c'est parce que la pluie n'a pas encore tombé. S'il y a la famine, c'est parce que les arbres ne produisent pas le fruit. S'il y a la famine, c'est parce que la chaleur n'a pas encore produit la vapeur. S'il y a la famine, c'est parce que la vapeur n'a pas encore chargé les nuages. S'il y a la famine, vous connaissez la suite. Élie a prié, dit que la pluie ne tombe point. Et Dieu l'a exaucé. Ça veut dire que Élie, la chaleur que lui produisait dépasse plus que la chaleur que même le peuple et le roi produisaient. Gloire à Jésus. Mon bien-aimé, tu as la force, tu as le pouvoir. Je passe par ici pour dire que le secret de la prière, d'abord, c'est la foi. Et dans les lignes à suivre, je vais nous éprouver cela. Donc, Élie a prié longtemps, avec insistance. Donc, nous voyons que Élie a prié autant pour moi pendant 3 ans et 6 mois. Donc, il n'a pas lâché la prière. Gloire à Jésus. Il n'a pas lâché la prière. Il a prié pendant 3 ans et 6 mois pour que la pluie ne tombe point. Il n'a pas lâché. Il a bloqué toutes les prières du peuple d'Israël. Et il s'est imposé. Gloire à Jésus. Mon bien-aimé, le Seigneur t'a donné la force. Le Seigneur t'a donné la capacité de provoquer la chaleur et de charger les nuages. Si nous lisons le verset 18, la Bible dit ceci. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Amen. Et la terre produisit son fruit. Gloire à Jésus. Si la pluie ne tombe pas, la terre ne peut pas produire son fruit. Donc, Élie a provoqué la chaleur. Et la vapeur est sortie. Amen. Il a prié de nouveau. Il a prié encore de nouveau. La prière est la clé. Gloire à Jésus. Tu dois prier. Mon bien-aimé, tu dois prier pour que les domaines de ta vie, où toi-même tu sens de la famine, tu sens le manque, tu sens la sécheresse totale, tu dois provoquer la vapeur. Tu dois charger les nuages pour que ces domaines reçoivent la pluie, pour que ces domaines soient arrosés. Mon bien-aimé, je passe ici par ici pour nous dire que ce n'est pas Dieu qui provoque la vapeur à notre place. Parce qu'à la création, il a déjà provoqué la vapeur. Et à cause de nos péchés, nous sommes sortis de l'onction de cette vapeur. Nous sommes sortis de la puissance de cette vapeur et nous sommes partis. Et il est revenu. Nous allons voir que quand Adam est tombé dans le péché, quand Dieu est venu, Dieu a maudit la terre. Gloire à Jésus. Quand Dieu a maudit la terre, c'est pour dire que quoi? C'est pour... Quand Dieu a maudit la terre, il a aussi dit, la manière dont la terre doit produire son fruit, ça ne va plus donner ainsi. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus est venu pour vivifier la terre. Mais comment le Seigneur Jésus est venu pour vivifier la terre? Bientôt, je vais vous le dire. Gloire à Jésus. Donc, la Bible dit que
Élie a prié de nouveau pour que la pluie tombe. Et quand il a prié, la pluie est venue arroser la terre et la terre a donné désormais son fruit. Gloire à Jésus. Donc, nous devons prier. Mon bien-aimé, tu dois prier. Tu dois charger les nuages. Tu dois charger les nuages. Nous devons charger les nuages pour provoquer la pluie. Parce que cette puissance, si nous ne savons pas l'utiliser, nous allons rester là. Nous allons toujours gémir. Nous allons toujours dire des choses, murmurer, dire des choses. Et cela va encore irriter le cœur de Dieu. Gloire à Jésus. Mais pour que cela n'arrive pas, c'est pour ça que ce matin, le Seigneur veut que nous sachions ces choses. Le Seigneur veut que tu sois vraiment informé afin que désormais tu charges les nuages. Afin que désormais tu provoques la pluie. Gloire à Jésus. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 3 à 4, nous allons voir quelque chose. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que je veux nous expliquer dans ce passage? La Bible dit que Caïn d'abord a fait une offrande à Dieu. Et quand il a fait, Dieu n'a pas accepté son offrande. Abel aussi de son côté a fait offrande à Dieu. Et quand il a fait, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande. Pourquoi? Pourquoi cela est ainsi? Dieu a porté le regard favorable sur l'offrande de Abel parce que quelque chose. Nous allons lire encore. Abel dit, le verset 4. Genèse 4, le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau. Ah, vous voyez? Et de leur graisse. Donc, nous voyons que Dieu agrée la graisse. Peuple de Dieu, la graisse signifie quoi? La graisse du brebis ou bien de l'agneau que Abel a donné en sacrifice, bien en offrande à Dieu. Dieu a agréé ça. Mon bien-aimé, en tant que chrétien, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons donner la graisse à Dieu. Parce que Dieu aime la graisse. C'est pour cela, le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1 dit, le verset 2 dit, il dit, il faut que nous donnions notre corps en sacrifice à Dieu. En réalité, Dieu nous demande de donner notre graisse à Dieu. La graisse symbolique, la prière. La graisse symbolique, la chaleur qui charge les nuages. Et cette graisse, ça, c'est comme un parfum de bonne odeur que Dieu agrée. Gloire à Jésus. Donc, spirituellement, ou bien, je vais dire, dans la révélation, la graisse représente la prière. Donc, quand Abel a donné la graisse de son brebis, bien de son agneau, Dieu a accepté cela, Dieu a agréé cela, Dieu a vu que le type là, il est un homme de prière. Abel, nous disons dans la révélation que le nom Abel, c'est la prière. Amen. C'est parce que Abel, il est attaché à Dieu. C'est parce que Abel, il prie. C'est parce que Abel, il aime Dieu. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, tu dois donner la graisse à Dieu. Tu dois produire la vapeur. Et la vapeur doit monter pour provoquer la pluie. Dieu, ta graisse doit monter et vraiment
va être favorable à Dieu, Dieu doit sentir la puissance de tes prières. Dieu doit recevoir ton offrande comme un parfum de bonne odeur. Maintenant, du côté de Caïn, lui, il a donné que des fruits. Il a donné que bon, ce qui sort de son champ. Gloire à Jésus. Et Dieu n'a pas accepté ça. Spirituellement, c'est pour dire que Caïn ne connaît pas les bonnes choses. Et il n'a pas donné de bonnes choses à Dieu. Cela ne voudrait pas dire aujourd'hui que nous ne pouvons pas donner ces choses à Dieu. Non, nous pouvons donner ces choses. Mais aujourd'hui, Dieu avait utilisé ces symboles pour nous faire voir les réalités cachées derrière ces choses. Aujourd'hui, spirituellement, nous devons faire ce que Abel a fait. La prière. Donner ton offrande. Nous voyons ici que malgré que Abel prie, il a accompagné son offrande avec de brebis et de l'agneau. Voilà, de l'agneau. Dans les lignes à suivre, je vais vous expliquer cela. Donc, le verset 9 à 10 du même chapitre d'Abel dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, Adam, je dis Adam Caïn, il a dit à son petit frère qu'il n'a qu'à l'accompagner au champ. Donc, Caïn, il a amené son frère dans le champ. Le verset 8 dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, quand Caïn a tué Abel dans le champ, la Bible dit que le cri de Abel est monté jusqu'au ciel. Est monté, mon bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe là est que malgré que le corps de Caïn est abattu, son âme prie encore. Son âme prie encore. Son âme crie encore. Son âme prie. Son esprit prie. Mon bien-aimé, tu vas prier. Tu dois prier. Tu dois produire la vapeur. Donc, c'est pour dire aussi que même si tu sens dans ton corps que tu es touché, c'est-à-dire que l'homme peut faire quelque chose de mal à ton corps, mais ton âme ne sera jamais touchée quand tu pries. Ton esprit ne sera jamais touché quand tu pries. Donc la Bible dit que la voix du sang de Abel est montée au ciel, mon bien-aimé. Et c'est là Dieu va dire, qu'as-tu fait? Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Quand Caïn et Abel a été abattu, la terre a ouvert sa bouche et il a avalé le sang. Quand il a avalé le sang, malgré cela, depuis le sol, sous le sol, le cri du sang de Abel, la terre n'a pas empêché que la voix du sang de Abel monte au ciel. Ça, la voix du sang de Abel a monté jusqu'au ciel. Parce qu'il prie jusqu'à la mort. Il prie jusqu'à la mort. Il crie jusqu'au ciel. Mon bien-aimé, quel que soit ce qui arrivera, tu dois prier. Tu ne dois pas cesser de prier. Tu dois prier. Donc, nous comprenons ici par là que si tu es réellement l'homme qui provoque la pluie sur ta vie, l'homme qui prie,
Tu deviens une cible pour l'ennemi. Tu deviens une proie que l'ennemi va vouloir chercher tous les jours. Mais tu es vainqueur. Ton corps peut être touché, mais ton âme ne sera jamais touchée. Tu es vainqueur dans le Seigneur. Ta vie est cachée en Jésus d'avec Dieu. Donc nous voyons que depuis le jardin d'Éden, parce que la puissance, l'onction de la vapeur qui existait depuis la création, sous laquelle Adam existait, était autant pour moi, l'ennemi est venu le sortir de la connexion. Mais l'habitude que Adam avait avec le Saint-Esprit, et il priait dans le temps, quand il est sorti du jardin d'Éden, il continue de prier parce que la Bible dit quand Adam a fait son premier enfant, Caïn, il a rendu gloire à Dieu. Amen. Donc, quand Abel aussi est venu, Abel, il a appris de chez son père la prière et lui-même aussi, il aime la prière. Malgré qu'il est sorti du jardin d'Éden, Abel, lui, il a pris le relais parce qu'il a il connaît l'importance de la prière désormais. Pour ça, l'ennemi aussi ne veut pas voir ça. L'ennemi veut l'éliminer pour que la connexion, la puissance de cette vapeur n'existe pas. Il veut l'éliminer. De la même manière, l'Église est avisée aujourd'hui. De la même manière, vous les intercesseurs, vous êtes avisés. Les hommes de Dieu sont visés. Tous les enfants de Dieu qui disent Jésus sont visés. Parce que l'ennemi ne veut pas voir que cette connexion, que la vapeur monte. Parce qu'il sait que quand la vapeur va monter, oh, les nuages seront chargés. Et quand les nuages seront chargés, la famine qui existait va disparaître. L'ennemi, le malin veut que tu sois toujours dans la famine. Le malin veut que tu sois toujours dans le manque. Il y a plusieurs manières aujourd'hui pour empêcher les enfants de Dieu de prier. Il a beaucoup de plans aujourd'hui pour empêcher les enfants de Dieu de rester en connexion directe avec Dieu. De provoquer la chaleur. De charger les nuages. Et enfin de provoquer la pluie sur leur vie. De provoquer la pluie sur les domaines de leur vie. Il les a mis dans la distraction. Mon bien-aimé, réveille-toi aujourd'hui. Réveille-toi aujourd'hui. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas provoquer lui-même la pluie sur ta vie. C'est toi désormais qui va provoquer la pluie, pas la vapeur, pas la chaleur qui est en toi. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons que l'ennemi n'est pas fatigué. Si nous irons dans le livre de Si nous irons dans le livre de Genèse, chapitre 27. Alors je commence à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi. Mon fils, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Gloire à Jésus. Nous voyons que ici, Isaac voulait prier pour d'abord Esaü, bien il sort, et c'est là Jacob va prendre les habits de Esaü et aller vers son père. Et parce que son père était aveugle, voulait sentir que c'était réellement Esaü qui est venu. Il dit, mon bien-aimé, approche-toi de moi. Approche-toi et baise-moi. Donc, Jacob s'est approché et il a baisé son père. Son père a senti l'odeur de son vêtement.
Et quand il a senti l'odeur de son vêtement, il a commencé par prier. Il a commencé par laisser les bénédictions sur la vie de Jacob. Mon bien-aimé, qu'est-ce que je veux nous faire savoir par là? Hébreux 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Donc nous voyons que quand Jacob s'est approché de son père a senti l'odeur. Dieu veut sentir l'odeur de ta prière. Approche-toi de Dieu. Dieu veut sentir l'odeur de la vapeur comme un parfum de bonne odeur afin d'ouvrir sa bouche pour te bénir. Et Dieu dit, approchons-nous maintenant. Nous sommes au moment où nous pouvons nous approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu, mon bien-aimé, afin que Dieu puisse laisser la pluie couler sur toi. Et Jacob va commencer par déclarer des bénédictions sur la vie de son enfant. Il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mon bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu dans la prière, l'odeur de ta prière va provoquer la rosée, va provoquer la pluie. Le verset 28 dit, que Dieu te donne de la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est toi qui vas le provoquer, la provoquer. Je te l'ai dit. Si nous lisons le livre de Genèse 18, verset 1er jusqu'à 5 à 17, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce passage, nous voyons que c'est le cas d'Abraham. Abraham, selon les Écritures, était assis sous une arbre, bien devant la tente, sa tente, et il se reposait. Et quand il se reposait, là, qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible va nous dire que je lis ça. Genèse chapitre 18, autant pour moi, le verset. Je commence à partir du verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Vous voyez, il dit pendant la chaleur du jour. C'est une parabole. C'est un langage codé que le Seigneur est en train d'employer là. Et il dit, le verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre, et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route. Car, vous voyez, il dit, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Comment Abraham a su que son Seigneur a pris par chez lui? À cause de quoi? La nourriture? À cause de quoi? Parce qu'il est fatigué, il doit se reposer. Gloire à Jésus. D'abord, quand on dit que et Abraham, autant pour moi, s'est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, mon bien-aimé. Vous voyez, en réalité, cette chaleur, c'est la prière. Quand il était là, il priait. Il priait. Les bien-aimés, il priait. Et quand il priait, Dieu est descendu. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur est descendu, qui lui a dit que voilà, c'est le Seigneur qui est en train de, passer. Qui lui a parlé de ça, qui l'a révélé. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est dans la prière que tu auras les choses cachées, les secrets, les choses que tu ne maîtrises pas, c'est dans la prière que tu l'auras ça. Et aussi, c'est dans la prière que le Seigneur est venu. Quand le Seigneur est venu, il a vu que ces hommes-là, ils sont fatigués. Comment? C'est à cause de la prière que ce secret lui a été révélé. Mon bien-aimé, la prière, tu dois provoquer la chaleur. Gloire à Jésus. Donc, la Bible a dit,
car c'est à cause de cela que vous avez pris par ici. Mon bien-aimé, quand tu es dans la prière et quand tu pries, le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur viendra te visiter. Donc, nous voyons le verset 17, la Bible dit ceci. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir qu'en haut, quand Abraham a fini de nourrir le Seigneur avec les deux anges, le Seigneur va lui dire, maintenant, l'année prochaine, à la même heure, tu auras, il dit, je viendrai te rencontrer. C'est pour dire, il aura Isaac, parce qu'il priait longtemps pour avoir un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que c'est dans la prière que les promesses que Dieu nous a faites vont s'accomplir. Mais si nous ne sommes pas dans la prière, ces promesses vont peut-être tarder autant pour moi. Donc, c'est lors de la prière que Dieu maintenant a approuvé, a fait une promesse autant pour moi à Abraham de lui donner Isaac. Gloire à Jésus. Donc c'est très important que nous soyons dans la prière. C'est très important que tu pries, mon bien-aimé. Et c'est alors que Dieu va te faire une promesse. C'est alors que Dieu va te révéler encore d'autres choses. Le verset 17 dit, Dieu maintenant, en voulant aller à Sodome et Gomorrhe, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu va dire, est-ce que je vais maintenant cacher ce que je vais faire à Abraham, mon serviteur? Je ne peux pas lui cacher. Mon bien-aimé, dans la prière, les choses secrètes seront révélées. Dans la prière, Dieu va te révéler les choses secrètes. Dans ta communion avec Dieu, dans la prière, rien ne te sera caché. Dieu sera obligé de te donner les choses qui sont cachées dans ta vie, dans les domaines où tu sens la sécheresse, dans les domaines où il y a le manque, dans les domaines où il y a, mon bien-aimé, la famine. Dieu sera obligé de te dire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, quand Dieu lui a dit, voilà, je vais à Sodome et Gomorrhe pour aller détruire. Aussitôt, il a commencé par penser à son neveu, Lot. Il a dit, oh Seigneur, et si tu vois 50 personnes là-bas, et si tu vois 40 personnes, il a commencé par intercéder. Il a commencé par intercéder. La prière, la clé. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et bénisse votre entendement. Nous allons continuer. Nous allons voir le cas de Daniel. Gloire à Jésus. Nous allons lire le livre de Daniel. Daniel chapitre 1er, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Daniel qui va se retrouver dans le palais ou bien dans le royaume du roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar avait des magiciens, des astrologues, tout ça, qui lui expliquaient des songes et tout. Donc, les Hébreux, c'est-à-dire Daniel avec Anania, Azaria et Michaël, se sont retrouvés dans leur palais. Donc, eux, Dieu les a accordé la sagesse, l'intelligence d'expliquer les songes. Et c'est alors qu'on va prendre Daniel comme le chef des sages dans le palais. Maintenant, le roi va avoir un songe. D'abord, le verset 17 nous dit que Daniel a reçu la sagesse d'expliquer toutes les visions aussi bien que les songes. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ce songe-là que vous allez faire dans ce palais. Il n'y a pas ce songe-là que le roi va faire. Lui comprenait tout. Dieu lui a donné l'intelligence d'expliquer tous les songes et toutes les visions. Mais qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés,
avant que Dieu ne lui donne c'est la sagesse et comment appelle-t-on l'intelligence d'expliquer, de savoir expliquer ces choses, c'est dans la communion avec le Seigneur. C'est parce qu'il prie, parce qu'il s'est consacré pour le Seigneur. Et il prie, et le Seigneur lui révèle tout. Il n'y a pas ce rêve-là. Il n'y a pas cette vision que toi tu auras et Daniel ne saura pas. Les bien-aimés, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar, il a monté là-bas. C'est-à-dire que quoi? Il a eu un son désormais. Et ce son qu'il a eu maintenant, lui-même dit que il ne se rappelle pas du son. Alors que j'avais dit qu'il n'y a pas ce son-là que Daniel ne va pas t'expliquer. Maintenant, il a monté le degré. Lisons le livre de Daniel, chapitre 2. D'abord, je commence à partir du verset 1. Là, nous allons comprendre. La seconde année du règne du Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Il vint et se présentait devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Le chaldéen répondit au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit au chaldéen, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents. Et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-le moi. Le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs, le roi, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Verset 10. Les chaldéens répondirent au roi, il n'est permis sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'ils aient été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire. Ô roi, excepté les dieux dans la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonne qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les périr. Peuple de Dieu, toi tu as eu ton songe. Et tu dis que tu as oublié le songe. Et maintenant tu nous forces à dire le songe. Parce qu'on ne connaît pas. Tu as dit maintenant on va tuer tout le monde. Et les sages ont été mis en pièce. Les sages, les astrologues, les enchanteurs ont été tués. Maintenant,
ce qui s'est passé a été publié. Et quand cela a été publié, c'est tombé dans les oreilles de Daniel. Daniel aussi, il est sage, non? Et il a été choisi, même le chef des sages. C'est-à-dire que bientôt, s'il ne fait pas, s'il ne donne pas l'explication, lui avec Ananias, Michaël et Azaria sera mis à mort. Maintenant, la Bible dit ceci. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Agioc, chef des gardes du roi. Donc nous allons venir au verset 17 pour vraiment gagner du sang. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et introduisit de cette affaire à Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engagèrent à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni le nom de Dieu. » D'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, quand il a appris la nouvelle, il a dit à Agioc, il dit, maintenant là, attends. Lui-même, il est allé au palais pour aller voir le roi. Il a négocié, il dit, roi, attends, nous allons te donner l'explication. D'abord le songe et l'explication. Comme le roi savait qu'il n'y a pas ce songe que Daniel ne pouvait pas expliquer, il a monté là-bas. Pour cette fois, il dit, lui ne se rappelle pas du songe. Où est-ce que tu vas passer? Daniel va se retirer et va aller maintenant informer ses amis. Et les quatre se sont unis, enfermés. Et la prière a commencé. La Bible dit, ils ont commencé par implorer Dieu. La prière a commencé. Ils ont commencé par produire la chaleur. La vapeur a commencé par monter. La vapeur a commencé par charger les nuages. La vapeur a commencé par charger les nuages. La vapeur a commencé par charger les nuages. La pluie est obligée de descendre. C'est-à-dire les ossements. Le Seigneur a obligé de révéler le songe du roi et en même temps l'explication à Daniel. Mon bien-aimé, c'est dans la prière que les choses que les ennemis pensent cachées sont révélées à toi. C'est dans la prière que les choses cachées dans ta vie seront révélées. C'est dans la prière que les choses que les hommes sur la terre ne pourront pas faire, toi tu l'auras. Parce que même les astrologues, les sages disaient, personne sur la terre ne pourra connaître ce que le roi est en train de dire. Toi, tu as eu ton songe, ça te concerne, dis-nous seulement, nous t'en te donnons l'explication. Mon bien-aimé, je passe ici par là, ici pour dire également qu'il y a des combats que nous ne pouvons pas faire seuls. Il y a des combats que nous avons besoin aussi des frères qui vont nous soutenir dans la prière. Et c'est dans la prière que les amis de Daniel, ils ont prié ensemble. La chaleur, c'est-à-dire, ils ont augmenté l'intensité de la chaleur. Ils ont augmenté l'intensité de la vapeur pour vraiment faire descendre la pluie. Gloire à Jésus. Donc, c'est alors que Daniel va recevoir l'explication et il a donné l'explication au roi. Et le roi, il a été apaisé. Daniel n'est plus été tué. Nous allons voir le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 11 à 12, pour voir encore ce qui s'est passé. Je lis au nom de Jésus. Puis, il me dit, Daniel, chapitre 10, le verset 11, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues
Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 22 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Ici, Daniel voulait comprendre encore un autre songe. Et la Bible dit, le jour où il a eu à cœur, et il s'est humilié devant Dieu. Et il a prié, il a monté la vapeur vers le ciel. La Bible dit que le jour-là même, le Seigneur a exaucé. Maintenant, quand le Seigneur a exaucé, il a envoyé l'un de ses anges. Quand il a envoyé l'un de ses anges vers Daniel pour lui révéler les choses, sur le chemin, il a été bloqué. Et Daniel n'a pas aussi cessé de prier. Les bien-aimés, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans ce passage? On est en train de voir dans ce passage que, d'abord, l'exaucement de la prière est différent de la réponse de la prière. Bon, qu'est-ce que... C'est-à-dire, écoutez-moi très bien. Le jour où Daniel s'est humilié et il a commencé par prier, Dieu l'a déjà exaucé. Donc, le résultat déjà s'accomplit ici, normalement le même jour. Mais l'ange qui venait, l'ange a été bloqué par le roi de Perse. Donc, c'est lui qui voulait amener le résultat de la prière ou de la demande de Daniel. Et il a été bloqué. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé là. Daniel, l'ange qui est venu, c'est un ange qui n'a jamais péché, qui est devant Dieu tous les jours. Il prie, il adore Dieu. Nous disons que cet ange est saint. Mais un roi de la Perse, souillé, puissant dans le monde des souillures, dans le monde des faits, va le bloquer. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire que la sanctification, c'est très important. La sanctification, c'est très important. Mais la sanctification est la première des choses que Dieu nous recommande, Dieu nous demande. Et nous devons vivre la sanctification. Nous voyons que ce temps qui vit dans la sanctification, qui est dans la sainteté, a été bloqué par un démon puissant dans la souillure, dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, tu sauras tout à l'heure. C'est après cela que lui-même maintenant, il a demandé secours à l'ange Michaël. Et c'est l'ange Michaël qui est venu maintenant libérer. Nous voyons que l'ange Michaël est plus puissant que d'abord l'ange qui est venu pour apporter cela, le message, et aussi le roi de la Perse. Je vais là, nous pouvons dire que la puissance, c'est la puissance qui gagne dans le monde spirituel. La puissance, c'est ça qui gagne dans le monde spirituel. Donc, la sanctification est la première des choses pour nous, les chrétiens. Et en même temps, la puissance. Nous demandons la puissance dans la prière. Donc, la puissance qui est venue soutenir l'autre ange a fait que le roi de Perse l'a libéré. Nous voyons que Daniel ne voulait pas aussi faire 21 jours dans la prière. Daniel, le premier jour, il s'est humilié devant Dieu. Normalement, et les ossements et la réponse devaient venir. Et ça là, doit s'accomplir. Mais le roi de la Perse l'a bloqué. Mon bien-aimé, tant que le résultat n'est pas encore venu, la prière, il faut continuer. Si c'était que Daniel avait cessé une fois dans les 21 jours de prier, alors le roi de la Perse va garder le résultat là-bas. Et l'ange aussi est resté là, sans aller adorer Dieu pendant ces 21 jours. Il est resté là. Il n'est pas venu sur la terre pendant ces 21 jours. Daniel aussi n'a pas cessé de provoquer, n'a pas cessé de prier. Et quand il priait, l'ange aussi a obligé de demander le secours de son compagnon de service. Et c'est là. La puissance a augmenté. Mon bien-aimé, la puissance de la vapeur doit augmenter en toi. La puissance de la vapeur doit augmenter en toi. Si tu demandes quelque chose et que tu ne l'as pas encore, mon bien-aimé, il ne faut pas cesser la prière. Si tu demandes quelque chose et tu ne l'as pas encore obtenu,
qui n'est pas encore venu en accomplissement comme ça, faut pas lâcher. Daniel ne voulait pas faire 21 jours. Si c'était que le premier jour que, où Daniel a demandé, cela était venu en accomplissement, il allait laisser la prière. Comme peut-être le pour et la première fois où lui et ses compagnons se sont réunis pour prier. Donc, nous disons que c'est 21 jours. Si nous disons que nous voulons faire 21 jours de jeûne et que nous le faisons, il faut que ça soit toi-même. C'est-à-dire que tu dis au démon de te bloquer. Gloire à Jésus. Si c'est le 13e jour que le résultat était venu. Donc, nous allons encore dire qu'on va faire 13 jours de jeûne. C'est les Écritures qui parlent, ce n'est pas moi qui parle. Gloire à Jésus. Donc, je vais te dire, tant que tu demandes, si tu demandes quelque chose, tant que cela n'est pas encore venu à l'accomplissement, prie seulement. Il ne faut pas lâcher. Dans les 21 jours, il n'a pas laissé un jour. Il prie seulement. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Donc, nous voyons que j'avais dit que la pluie aussi représente la parole. Si nous lisons le livre d'Ésaïe 55, le verset 10 à 11, la Bible dit de la façon dont la pluie tombe et arrose la terre, ainsi est ma parole. Et ma parole ne sort pas sans avoir accompli ma volonté. Cette parole s'est accomplie. Et cette parole, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est venu, il est comme une pluie sur la terre, afin de pouvoir arroser également la terre. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'arrivée de notre Seigneur Jésus? C'est le cri des enfants d'Israël. Le péché que l'homme a commis dans le jardin d'Éden, il y a une voix qui est descendue. Et Dieu est venu pour dire, « Adam, qu'est-ce que tu as fait ?»« Adam !» Et il dit, « Non !» Et il dit, « Quand j'ai entendu ta voix, je me cachais. Qui t'a appris à cacher? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu mangé ce que était dit ?» Donc cette voix qui est venue parcourir, cette voix qui est encore sur la terre, jusqu'au ciel. Mon bien-aimé, c'est ça qui a provoqué l'arrivée. Et si nous lisons le livre d'Exode 3, quand les enfants d'Israël criaient, ces cris montaient vers le ciel. La vapeur montait seulement. Dieu ne pouvait pas résister de venir. Dieu est obligé aussi de venir parce que la loi était aussi dure. Et ils sont revenus. Que Dieu est revenu au temps pour moi. Donc Dieu va prendre chair et il est venu. De la manière dont le Seigneur est venu, il est comme une pluie. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu pour restaurer la vapeur qui existait depuis la création. Parce que la vapeur existait, qui montait vers le ciel pour que la terre soit arrosée avec une de coups quand Adam est tombé dans le péché. Donc quand le Seigneur Jésus est venu, quand nous lisons l'idée, Luc 6, 12, la Bible dit, toute la nuit, le Seigneur va monter sur la montagne et il prie seulement. Il est en train de restaurer l'image de la vraie vapeur. Il priait seulement. Il priait. Et je nous rappelle, quand Jésus est venu, il est venu au temps de la famine. La mission de Dieu était, de Jésus au temps pour moi, était au temps de la famine. C'est pour cela qu'il va prier pour multiplier le pain, pour que le peuple mange. Tout son temps, c'est un temps de la famine. Donc lui, il était la pluie qui est là. Lui-même provoque la vapeur. Il prie, il prie, il prie. Et il apporte également les ossements. Peuple de Dieu, nous allons voir que il y a un certain païen nommé un centenier. Et ce centenier va rencontrer Jésus. Vous pouvez lire le livre de Luc 22, le verset 44. Il y a un centenier. Ce centenier est allé rencontrer Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, il dit, il y a l'un de mes serviteurs qui est paralysé. Seigneur, je te prie de venir l'aider. Et le Seigneur a dit, je vais partir. Et il a dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi à la maison. Maintenant, il va dire, moi, j'ai des serviteurs à ma charge. Et je dis d'aller et ils m'obéissent. Je dis d'aller et ils obéissent à ma voix. C'est un enseignement que le païen se sentait en train de donner. Et cet enseignement, c'était quoi? Cet enseignement, c'était que quand lui, il ordonne,
c'est les serviteurs qui obéissent. Donc il est en train de dire à Jésus, Jésus parle seulement, dit un mot. Je sais qu'il y a des gens qui sont sous ton contrôle, que tu peux commander et ils vont aller opérer dans la vie de mon serviteur. Gloire à Jésus. Nous voyons que quand nous prions, c'est le Seigneur qui envoie ses anges nous soutenir. Quand nous prions, c'est le Seigneur qui envoie ses serviteurs dans le monde spirituel venir opérer dans nos vies, venir nous apporter le résultat. Gloire à Jésus. Et c'est là que Jésus va dire, ah, la foi de cet homme, non, c'est grande. Gloire à Jésus. Nous voyons le cas de notre bien-aimé Corneille. Corneille, si nous lisons le livre d'Actes chapitre 10, Corneille était quelqu'un. La Bible nous dit dans le livre d'Actes chapitre 10, je lis rapidement. Actes chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé lui dit, et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes amours sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Donc, nous voyons que Corneille, il est quelqu'un, il est un païen, il prie. Il prie, il fait aussi des amours. On dit, si tu pries et tu demandes quelque chose à Dieu, il faut accompagner aussi de l'offrande. Parce que nous avons vu cela dans la vie de Daniel et de Abraham. Nous avons vu que Abel aussi l'a fait. Donc, il faut accompagner. Il va aussi nous rappeler que quand nous prions, nous demandons quelque chose, il faut que tu fais des vœux à Dieu. Comment? Dis, comme Anne l'a fait. Si nous lisons les Écritures, Anne voulait que Dieu lui donne un enfant. Et il dit, Seigneur, quand tu vas me donner un enfant, il va te le donner et il va te servir. Quand Dieu a entendu cela dedans, Dieu est obligé de lui donner Samuel. Donc, quand tu pries et tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que tu lui fais des promesses, voilà. Et lui, il est obligé de venir, de laisser la pluie tomber sur toi. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons que ce centenier, il prie, la Bible dit, il prie continuellement. C'est le critique qui vient. Il dit, voilà, il priait Dieu continuellement. C'est-à-dire que lui n'a pas de repos. Il prie. Mon bien-aimé, la prière, nous devons prier. Nous devons prier, peuple de Dieu. Nous devons prier et le Seigneur nous appelle tous à la prière. Pour finir, nous allons voir que le Seigneur Jésus lui-même, je disais qu'il est venu pour restaurer et la puissance de la vapeur sur la terre. Et pour cela lui-même, il prie. Nous voyons que quand le Seigneur Jésus est venu et quand Adam est tombé dans le péché, Dieu a maudit la terre. Et quand Dieu a maudit la terre, il faut que quelqu'un vienne pour annuler cette malédiction. Quand est-ce que Dieu a annulé cette malédiction qui dit que la terre ne va pas produire son fruit comme cela devait? C'est Jésus qui est venu annuler cette prière et cette malédiction. Comment? Quand Jésus s'est retrouvé à Gethsémani dans le livre de Luc 22, 44, la Bible dit, d'abord la Bible dit, et tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà, c'est ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse. Donc, Jésus, quand il est venu, il priait. Quand sa mort s'est approchée, il priait. Donc, il faut que Dieu annule la malédiction que la terre ne devait pas produire. Le Seigneur annule la malédiction qui dit que la terre ne va plus produire ses fruits, comme cela se devait. Pendant qu'il priait, il priait. La Bible dit que les sueurs qui sortaient de son front étaient comme des grumeaux du sang. Donc il faut que ces grumeaux du sang tombent pour annuler cette malédiction qui est
qui a été proclamé par Dieu lui-même. Donc, c'est alors que le véritable sueur est tombé pour annuler la puissance de la parole que Dieu avait prononcée. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons également que pendant ce moment, la Bible dit qu'un ange est venu pour le fortifier. Pierre, Jacques, Jean étaient ensemble avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, priez avec moi. Il part, revient. Priez avec moi. Vous dormez toujours. Mon bien-aimé, la prière, nous devons prier. Le Seigneur n'a pas cessé de prier. Le Seigneur a prié. Et le Seigneur nous a donné aussi un modèle. Et quand le Seigneur priait, il est en train de restaurer la puissance de la vapeur. Il montait la vapeur. Il chargeait les nuages. Il est en train de nous faire voir la manière dont nous devons charger aussi les nuages par nos vapeurs. Tu dois produire des vapeurs pour charger les nuages dans tous les domaines de ta vie, dans ton ministère. Je sais que tu as beaucoup de domaines où toi, tu sens la famine, tu sens le manque, tu sens la sécheresse. C'est très important pour toi et moi. Gloire à Jésus. C'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré que vraiment ce thème soit prêché afin que le peuple de Dieu soit réellement informé pour se réveiller de son sommeil. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Donc, à la croix, le Seigneur Jésus travaillait aussi à la croix. Donc, il faut que la terre soit vivifiée parce que la terre a été maudite. Il faut que la terre soit vivifiée. Quand est-ce que la terre a été vivifiée? Le livre de Jean 5, 28, Jésus dit, il dit, ceux qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de Dieu et ils sortiront tous. Gloire à Jésus. Donc, c'est quand le sang de Jésus à la croix a coulé et tombé sur la terre, c'est là que la terre a été vivifiée. Parce que la terre a été maudite et la terre ne devait pas donner son fruit comme cela se devait. Donc c'est là que la terre a été vivifiée. Mais quand la terre a été vivifiée, est-ce que la terre a produit son fruit? Oui. Comment? Jésus dit, quand ceux qui sont dans les inférieurs de la terre vont entendre sa voix, c'est alors qu'ils sortiront. Gloire à Jésus. Et à la croix, quand le Seigneur a donné le cri, quand le Seigneur a crié à la croix et puis il a rendu l'esprit, c'est là les sépulcres ont commencé par se fendre. C'est là que ceux qui sont dans le séjour des morts sont sortis. C'est comme ça que la terre a été vivifiée. Gloire à Jésus. La production que la terre devait donner, c'est ça. C'est que les morts sont sortis. La terre a été vivifiée et les morts sont sortis. Et quand les morts sont sortis, c'est la vie qui a été donnée. La famine qui existait sur la terre, pour, avant que Dieu et Jésus ne viennent, il s'agit de quelle famine? Il s'agit de quel manque? C'est la parole, le salut. Il y avait la famine du salut. Il y avait la famine de le peuple. La terre souffrait du manque de la parole. La terre souffrait du manque de salut. La terre souffrait du manque de la vie. Il faut que Jésus vienne pour provoquer la vapeur, pour charger les nuages, afin que la pluie de la vie vraiment soit accordée. Et quand il est venu, il t'a accordé la vie. Gloire à Jésus. La pluie est tombée à son arrivée. Il fut la pluie. Et il fut la pluie qui était venue. Et la terre a reçu, a été arrosée par l'évangile. Gloire à Jésus. Et quand la terre a été arrosée par l'évangile, l'évangile a produit des fruits. Aujourd'hui, il disait que l'onction du Saint-Esprit aussi représente la pluie. Le Seigneur même a levé et a chargé la vapeur. Comment? Il dit, le moment viendra et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand le temps est venu, après cette prière que lui-même il a fait, cette prière doit s'accomplir. Ça doit amener le résultat. Ça doit amener les ossements et le résultat. Donc, quand le Seigneur est parti, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et quand la puissance du Saint-Esprit est venue, le Saint-Esprit, nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. La pluie arrose désormais la terre. Mon bien-aimé, si tu es ignorant de ces choses et que tu ne pries pas
et que tu ne t'accroches pas au Saint-Esprit, et que tu ne demandes pas la puissance de Dieu, et que tu ne pries pas, mon bien-aimé, tu vas toujours sentir la famine, le manque, la sécheresse dans les domaines de ta vie. Gloire à Jésus. Et pour finir, je vais faire cette chanson qui dit: la prière, la clé, prière, la clé, prière, la clé de Dieu. Jésus commence par prière et termine par prière. Prière, la clé de Dieu. Alléluia. Prière, la clé, prière, la clé, prière, la clé de Dieu. Jésus commence par prière et termine par prière. Prière, la clé de Dieu. Amen. Donc, au commencement, la prière a créé le ciel et la terre. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, la prière continuait. À notre temps, la prière continue encore. La prière est la clé. Pas la foi. Il ne faut pas aussi douter, parce que le secret aussi de la prière, c'est la foi. Donc, Jésus a dit, si votre foi est comme le grain, quand vous allez ordonner, quand vous allez prier, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi, la montagne, elle va obéir. La foi, c'est très important. La foi est le fondement de la prière. Crois que ce que tu dis va s'accomplir. C'est pour cela la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloire à Jésus, la puissance de la vapeur qui provoque la pluie, qui change les temps et les circonstances. Gloire à Jésus, quand tu pries, tu provoques la vapeur, tu vas charger les nuages. Et quand tu vas charger les nuages vont lâcher la pluie de bénédiction sur ta vie, sur les domaines de ta vie. À toi d'indiquer les domaines de ta vie où tu sens la sécheresse, la famine, et la pluie va tomber dans ces domaines pour que ces domaines soient arrosés. Et quand ces domaines seront arrosés, bien aimé, ça va produire la plante, ça va produire des fruits autant pour moi. Gloire à Jésus, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et nous voici, nous sommes à la fin de notre enseignement. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment d'enseignement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Je prie, Papa, que au travers de cet enseignement, que les vies soient touchées au nom de Jésus. Papa, que Seigneur Jésus, la vapeur dont tu nous as montré au travers de cet enseignement, Seigneur Jésus, oh, qu'à compter de ce moment, que tu motives tes enfants, que tu, Seigneur Jésus, les donnes la force, parce que tu nous as donné la capacité de lever la voix, de la manière dont la vapeur se lève pour pouvoir arroser. Et cette capacité que tu nous as accordée, Seigneur Jésus, c'est pas le Saint-Esprit. Je prie, Papa, que à partir de ce moment, Seigneur Jésus, Papa, et puis nous à tout moment de pouvoir produire la chaleur, parce que nous sommes tirés de la poussière et la chaleur doit sortir de la poussière. Seigneur Jésus, oh, tu nous as fait, Seigneur Jésus, pour que nous prions. C'est pour cela que quand tu es venu nous montrer, Seigneur Jésus, oui, l'original de la prière, et tu n'as pas cessé de prier, Seigneur Jésus, pour provoquer la pour pouvoir charger les nuages afin que la pluie tombe. Seigneur Jésus, je prie, Papa, que les vies qui sont dans les famines, les vies qui sont dans le manque, dans un domaine quelconque, je prie, Papa, que à compter de ce moment, que Seigneur Jésus, la pluie, Seigneur Jésus, tombe maintenant dans ces domaines de leur vie au nom de Jésus. Je prie, Papa, que les vies, Seigneur Jésus, oh, qui sont dans les manques, Seigneur Jésus, je prie que tu les localises dans le nom de Jésus. Et que à compter de ce moment, Papa, la pluie, Seigneur Jésus, de bénédiction tombe dans leur vie. Que la pluie de l'onction, Seigneur Jésus, tombe dans leur vie. Que la pluie de la parole tombe dans leur vie. Que la pluie, Seigneur Jésus, oh, Papa, qui manque dans leur domaine, Seigneur Jésus, les visites au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie, Papa, que par cet enseignement, Papa, fais-leur la grâce. Fais-leur la grâce. Fais-leur la grâce. Seigneur Jésus, que ta grâce soit manifestée sur leur vie. Que ta grâce soit manifestée, Seigneur Jésus, dans leur vie, Papa. Afin que les domaines de leur vie, afin que, Seigneur Jésus, oh, leur vie fleurit. Donne des fruits, Seigneur Jésus,
pour qu'il y ait, Seigneur Jésus, de la nourriture dans tous les domaines de leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu as fait de nous une source de bénédiction. Que ce sont les païens, que ce sont ceux qui sont dehors, qui devaient venir à nous, Seigneur Jésus, pour demander, pour prêter. Mais, Seigneur Jésus, nous remarquons que Seigneur Jésus, c'est nous qui sortons pour aller, Seigneur Jésus, demander. Non, Seigneur Jésus, si ta parole n'a pas dit ça, Seigneur Jésus, c'est à cause de manque de connaissance. Mais la connaissance a été accordée, donnée aujourd'hui. Je prie, Papa, que cet enseignement, Seigneur Jésus, oh, nous fortifie, nous donne la grâce, nous donne la force, Seigneur, de prier, de venir à toi. Parce que tu nous dis que la clé de la prière, c'est la clé de Dieu, c'est la prière. Ta clé, c'est la prière. Et nous l'avons su, Seigneur Jésus. Je prie, Papa, que tu nous assistes, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Quand tes enfants vont venir devant toi, Papa, dans la prière continuelle, Papa, je sais que tu ne cesses pas de révéler. Révèle-les, Seigneur Jésus, les domaines de leur vie. Révèle-les la source, Papa, de la famine dans ce domaine au nom de Jésus. Révèle-les les choses qui sont cachées, qui empêchent, Seigneur Jésus, que les domaines de leur vie, Seigneur Jésus, ne produit pas. Je te prie, Papa, révèle-les ces choses dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. C'est au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen.